Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la rubrique culture. La rubrique culture ce matin, nous continuons bien évidemment à vous parler de la pierre jaune. Et ce matin, nous allons vous donner bien évidemment l'utilisation de cette pierre jaune, comment l'utiliser. Ben avant, permettez tout de même qu'on fasse un récap pour dire que la pierre jaune nous vient du Nigeria et ce matin encore, nous vous le reprécisons et dans nos marchés, vous retrouverez et ces pierres jaunes de tous les sens, dans tous les côtés, de toutes les manières possibles. Alors, la pierre jaune, premièrement, sert à traiter les boutons sur les enfants. Oui, la pierre jaune, ça sert à traiter les boutons sur les enfants. Vous avez les tout-petits qui ont les boutons et ça permet de traiter ces petits boutons-là. Attention, pas la varicelle, bien sûr. Alors, donc, mélangez cette pierre à l'huile de palmiste. Oui, si vous mélangez cette pierre à l'huile de palmiste, et ses valeurs permettent de traiter les boutons que nous appelons généralement le kamnogo. Oui, quand vous mélangez à l'huile de palmiste, ça permet de traiter les boutons du kamnogo. Alors, vous comprenez facilement que généralement, quand on a ces éléments, il faudra pouvoir les avoir à portée des mains à la maison quand on a des enfants. C'est des éléments qu'on devrait avoir à portée des mains à la maison parce que là, au premier coup, vous pouvez l'utiliser facilement pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Nous avons parlé bien évidemment des boutons, oui, des petits boutons qui sortent sur des enfants parfois. Vous les utilisez pour pouvoir calmer ces boutons ou encore pour faire disparaître ces boutons-là. Et nous vous avons précisé aussi que mélanger à de l'huile de palmiste, alors si vous mélangez à de l'huile de palmiste, vous aurez la possibilité de soigner ce que nous appelons le kamnogo chez nos enfants. Donc voilà les différents éléments qui vous permettent bien évidemment de résoudre ces petits problèmes avec la pierre jaune. Alors la pierre jaune, nous la retrouvons bien évidemment sous deux formes. Alors il y a la forme en poudre et bien évidemment en morceaux. Alors quitte à nos mamans sur le marché de vous dire quels sont ces différents éléments, pratiquement ils résolvent les mêmes problèmes. Voilà, ils permettent de résoudre le même problème. Alors vous-même, vous pouvez prendre de manière en morceaux et vous écraser. Soit vous achetez déjà écrasé, libre à vous, mais ça va permettre de résoudre vos différents problèmes. Alors il faudra préciser qu'en plus de ça, la pierre jaune peut résoudre d'autres problèmes que nous ne pouvons pas exposer ici. Mais en vous rapprochant des commerçants et des tradis, vous comprendrez facilement que cette pierre jaune peut résoudre plusieurs problèmes. Alors, mesdames et messieurs, c'était bien évidemment l'espace réservé à la culture sur Hot Coffee. Je vous souhaite une agréable journée et surtout, restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent juste derrière. Mais surtout, gardez la culture attitude. Bye bye! Bien sûr, une occasion de vérifier tout au long de la semaine tous les autres aspects, n'est-ce pas, de cette pierre jaune-là. Actuellement, je suis avec Sontia. Bonjour, Sontia. Good morning. Comment vous allez? I'm doing good. D'accord, ça peut se voir. Hein? C'est une autre journée, nous sommes déjà mercredi. Mm-hmm. Ça va vite, j'ai envie de dire. Yes, exactly. You are just left with two days and a few hours to the Christmas. It's a great day. Que tout le monde attend dans tous les cas. Mm-hmm. Alors, on continue de parler de nos haricots verts. Exactly, Kevin. We continue talking about green beans. Good morning to all our televiewers and those who are just joining us. Your hot coffee and its nutritional values. We started talking about green beans on Monday. Today, we will obviously continue with it. First thing first. Today, Kevin, I want us to talk about the antioxidant. Okay.
Okay. That is content. Continue. When? Exactly. Yesterday we're mostly based on the fiber. Tomorrow we'll come and talk on vitamins. Remember we have vitamins A, C, and K. We'll talk about that tomorrow. Today you need to know that this helps you to control your appetite. D'accord. Si vous avez un véritable appétit. Mm-hmm. It helps you to cut down on the appetite. There are people who make this thing. They make just sauce with this. Oui. They take green beans and just cut and make soup and they eat. It helps you to not have a huge appetite in anything that you consume. It equally helps with weight loss. Est-ce que avoir beaucoup d'appétit c'est un problème? At one point it's a problem because anything you see you want to eat. I don't think anybody wants to be in the position of seeing anything and wanting to eat. D'accord. It helps with weight loss. If you're watching your weight, you eat this. Normalement, si vous n'avez pas beaucoup d'appétit, vous ne pourrez pas beaucoup manger par de là. Vous ne pourrez pas prendre beaucoup de poids. Aussi. Some people might still have the weight and they want to cut down. Mm-hmm. It helps to prevent fatty liver. D'accord. Fat that is in the liver. Mm-hmm. Most of the time, you see people it bulge on the bowel. Your stomach really see because of the fat that is found there. This will help to reduce that. It lowers cholesterol in the body. If you have a high cholesterol level in your body, it helps with that. It maintains and repairs the body. You know, if you have things that are maybe a wound that's retarding to heal, the consumption of green beans can help you to maintain and repair it as soon as possible, and it helps to make new tissues. Right. New tissues that are needed in your body. It does not only maintain and repair the body, it equally helps you to maintain, to have new tissues. That means you need, you know, the body needs new tissues each and every day. So this will help you with it. Kevin, that is it for the antioxidant that is contained in this morning. Hoping that tomorrow we'll come and talk about something else. D'accord. Demain, vous nous promettez d'autres constituants, alors d'autres ingrédients qui vont être davantage étalés. Et aujourd'hui, c'était les antioxydants. Voilà. On a retenu de manière globale que ça aide à perdre du poids. Exactly. Et ça réduit considérablement le gros appétit pour celles des personnes qui en souffrent. C'est vrai qu'à la maison, comme moi, on va se demander ben, est-ce que c'est finalement un problème. Bon, vous l'avez dit, c'est pas quand même normal. It's not normal, exactly, that you see everything and you want to absolutely eat. Ça peut avoir de véritables retombées, on peut partir sur la base du poids ou même du diabète et tout. Voilà, avec des haricots verts, ça peut passer tout simplement, ça renouvelle vos tissus, n'est-ce pas, les tissus cellulaires, les haricots verts, vous avez dit qu'on peut en faire une sauce. Yes. On découpe tout simplement. Puis, yeah, the chop, I make a bit of tomatoes, and it's good to go. On accompagne cela avec quoi? Une sauce, rice, avec. The rice, you have ripe plantain, yam, cocoyam, there's many things. D'accord. Voilà donc quelques petits. C'est un autre plat même que vous venez de donner, hein, comme ça. À nos mamans. Oui, on peut associer ça au menu, surtout que ça pourra permettre véritablement de digérer. Exact. Après avoir ingurgité beaucoup de viande et tout. Vous prenez donc un bol de sauce d'haricots verts et puis vous libérez tout simplement. Merci. You know, Kevin, before we have to cut, some people don't do paste with this. D'accord. They do grind and make paste before they eat. Voilà. Cru, on mange cru ou bien? No, cooked. Ok. Wow. Vous en faites? No, I've not tried. Et la texture, parce qu'en réalité, mais bon, c'est un légume et vous l'avez dit, on peut en consommer cru ou cuit. Donc, en pâte, en sauce, ou même encore accompagné dans nos mets comme condiments. Mm-hmm. Voilà. Ça peut aussi passer les haricots verts qu'on trouve pratiquement partout désormais au marché, même là où on ne vendait pas, on en vend parce qu'on sait qu'on en a besoin pratiquement à cette période-ci. Merci, Cynthia. Alors, hier, vous avez dit que Noël, c'est un concept qu'on voudrait bien sûr qu'on retourne à la maison fêtée. Est-ce que, en réalité, si quelqu'un ne parvient pas à le faire, à retourner à la maison, il va se sentir amoché? It's a question of habit. Ouais. Imagine that you've been feasting all through the year with your family. In fact, since we were born, with your family, the first year you have to go out. The first year that you go out, during that Christmas period, you want to come home and celebrate with your family. C'est vrai. You feel like mais si vous êtes it's empêché. Different. That one is different when you are, there's something that is blocking you. But if there's nothing that's blocking you, why not come and stay with your family? You know, at that point in time, there's always this particular thing.
You know, I always, when I was in university, I always came back home. Est-ce que c'est pas parce que c'était un moment où il y a beaucoup à manger? No. No, not because of that. D'accord. There is this this happiness or this warmness that comes when you're at home. It doesn't feel the same when you're out. It can never feel the same. Ça peut être pareil. D'accord. Merci. You see, people travel out of the country to come. Is because it's really worth it. Oui. Mais il y en a aussi qui ne le font pas. Il y en a même qui sont sur place et qui ne vont pas forcément en famille. Yes, that one is a matter of choice, but there is this particularity. They will not tell you that they are staying there because they want. Oui. Maybe because they cannot. D'accord. Vous êtes convaincu que c'est parce qu'on ne peut pas. Yes, it's because you don't want. D'accord. Et pourquoi forcément à ce moment, c'est sérieux. Enfin, vous avez dit quelque chose de particulier. Yeah, you know, Christmas is a time where we share joy, we share happiness. You know, it's not possible because I remember I read something of they talk about the First World War, the first Christmas in 1914, where there was the first world war was going on. D'accord. But people had to stop the war because they had to celebrate Christmas. D'abord. And you see people coming from different place, and they had to come together and forget about the war they were fighting, and they had to celebrate Christmas. You see that it's not just any ordinary day. It started from a very long time ago. It's not just today. D'accord, ça a commencé il y a très longtemps, vous l'avez dit, mais je pense que j'ai une autre question que je voudrais bien vous la poser. Okay. Alors, est-ce à dire que si quelqu'un a un problème, au lieu de le résoudre à l'instant, vous attendez par exemple Noël pour le faire parce que c'est un moment sacré, parce que si... Pourquoi ne pas le faire directement? It's always very easy to say that you sort it at that point in time. At that point in time, there's anger. Mm. You need to get through a lot of things. Then at a Christmas period, with everything that has been preached as message, you tell yourself that, why not now? D'accord. Vous dites, ok, on peut y aller. Yes, why not now? Because you might still have the anger and everything that is eating you up because of the problem you're having with the person. And then you say, no, I'm never going to forgive this person. But there comes a time where you say, why not now? D'accord. So, et ce moment, forcément, c'est pendant ce... It mustn't be that period, but sometimes, most of the time, it's always at this period. Je ne vous donne pas tort dans tous les cas. Bon mercredi à vous. Same thing. Merci. Voilà, nous y sommes encore pour déballer avec vous ces petits moments glamour 100% pour les dames, mais aussi pour les hommes. Bonjour, ma mère. Bonjour, fallait pas que j'oublie dans tous les cas. Vraiment, j'allais faire les jaloux. J'allais faire des jaloux. Oui. Mais bon, quand on parle soin, généralement, c'est surtout pour les femmes et dire que cette semaine, on s'est concentré sur le visage. Tout à fait. Avec la sécheresse, c'est pas évident. Le jus d'oignon, voilà, c'est ce qui porte notre intérêt cette semaine. Absolument, Kevin. Nous restons dans ce registre-là. Ouais. Et c'est jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est pour vous accompagner en réalité dans la fête de Noël. Oui. Voilà. Donc ce matin, Kevin, je vais parler plutôt des yeux. Voilà, les soins des yeux. Ouais. Qui fait partie, voilà, d'autres vont me demander, mais comment les yeux entrent dans la beauté? Mais oui, parce que de temps en temps, on trace. De temps en temps, on met même des scies artificielles, ainsi de suite. Donc, en faisant tout cela, à un moment donné, il y a des problèmes qui peuvent surgir. Et si on pouvait prendre en considération, j'y arrive, la saison qui est, ma foi, très rude. Oui. Comme vous le constatez déjà à travers ma voix, très chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Peu importe comment vous allez faire pendant, peu importe vos activités, vraiment pensez à vous protéger autant. Parce que ce n'est pas évident. Ce matin, je vais vous demander d'utiliser les oignons pour vous laver les yeux. D'accord. Voilà. L'extérieur ou l'intérieur? L'intérieur. L'intérieur. Oui, l'intérieur. Véritablement? Voilà. Wow. Vous allez constater, ce n'est pas difficile. Pendant que vous faites vos cuisines, votre cuisine au quotidien, les femmes comme les hommes, parce qu'il y en a les hommes célibataires, pendant qu'il y a d'autres qui ne sont pas mariés, je ne sais pas si Joël fait partie, peut-être. Même des mariés qui font de la cuisine. Des mariés qui font la cuisine. Oui. Mmh, voilà, comme vous le dites. D'accord. Alors, un clin d'œil à tous ces hommes qui
découpe souvent les oignons pour accompagner madame des fois. Et des fois, ils sont seuls même à le faire pendant que madame fait d'autres choses. Oui. C'est vraiment élégant ça. Voilà. Vraiment. Donc, je vais continuer en disant que quand vous faites cela, vous n'êtes pas en train de seulement mettre l'élégance en jeu, mais vous allez constater qu'à la fin, les yeux coulent. Oui. Oui, ça coule. Des fois, vous avez même l'impression que vous avez pleuré. Donc, l'eau coule, coule excessivement des fois. Des fois, vous n'avez même pas l'opportunité d'ouvrir ces yeux-là pendant quelques secondes, oui, puisqu'il faut fermer pour permettre que cela passe. Donc, ce moment difficile-là passe. Ça avant, pique au même moment. Voilà, avant que vous n'ouvrez vos yeux. Alors, c'est par là que cet exercice donc, devient intéressant. Parce que quand ça se passe ainsi, n'ayez pas peur. Il y a des personnes qui pensent que peut-être le fait que j'ai eu ce coup-là, je risque perdre ma vue. Voilà. Pourtant pas. Ce n'est pas possible de dire cela parce que en réalité, c'est en train de laver vos yeux. Voilà. Là, ce qui se passe en réalité, c'est que le fait que vous avez fait le tour de la ville, peut-être vous avez des activités qui vous amènent à sortir. Même si vous ne sortez pas, vous savez comment la poussière pénètre très souvent. Il infiltre très facilement les espaces. Alors, quand ça entre déjà dans vos yeux, il faut absolument qu'à un moment donné, cela sorte. C'est la raison pour laquelle quand vous couchez la nuit, le matin pour certaines, quand ils se réveillent, ils constatent qu'il y a une masse ici, comme ça, dans les extrémités de vos yeux, comme ça, parce que la nuit, il y a donc vos yeux, puisqu'il y a aussi cette liquide qui est déjà dans vos yeux, qui vous permet d'évacuer tout cela. Mais ajouter aux oignons, vraiment, ça passe encore bien, puisque ça va vous permettre d'évacuer cela facilement. Donc, ça va couler comme une rivière. N'ayez pas peur. Cherchez simplement votre mouchoir très propre et essuyez les yeux quand cela se passe. Ce n'est pas très bien pour les enfants parce que les enfants ne peuvent pas facilement supporter comme les adultes. Mais à partir de, disons, parce que vos filles, des fois, on a des filles qui ont déjà commencé à préparer à 8 ans, 10 ans, qui nous assistent à la cuisine. Voilà, ça peut passer, mais vous pouvez faire cela de manière exprès. Donc, vous prenez, vous découpez, vous avez les yeux ouverts, sachant que ça va faire mal, mais laissez reposer pendant quelques minutes, disons même 5 minutes comme ça. À la fin, vous aurez vos yeux. Et vous allez constater qu'à la fin aussi, les yeux sont très éclairés. Donc, vous allez constater que même la partie blanche de vos yeux devient tout blanc encore. Voilà ce que j'avais prévu pour vous ce matin. Les yeux deviennent encore plus blancs, plus clairs. La vue aussi, elle devient davantage améliorée parce qu'avec les débris, la poussière et tout ce par quoi on passe pendant cette période de saison sèche, ce n'est pas évident avec les yeux. Surtout si vous ne portez pas, du moins vous ne vous protégez pas avec des lunettes ou une écharpe. Bref, ça devient extrêmement compliqué. Heureusement qu'avec du jus d'oignon, ça peut passer. On en fait un bain. Tout à fait. Ou alors on découpe tout simplement, on pleure et ça passe. On découpe, c'est encore mieux. D'accord. Kevin, parce d'accord que le temps que, si vous constatez très bien, quand vous laissez même, quand vous découpez vos oignons et oui, vous laissez, juste le temps que vous laissez là, tout s'évapore. C'est vrai. Voilà, donc juste le moment où vous découpez là, c'est le moment où tout se passe. Voilà. Voilà, cette pression qui sort et avec ce jus, ça fait l'affaire tout simplement. Merci. Hein, qui aurait cru qu'en dehors de mettre cela dans notre dolet, on pouvait aussi exploiter vraiment pour les se yeux, nettoyer les yeux. Vraiment, vraiment. Quelque chose de magnifique. Il y a des merveilles. Il y a des merveilles cachées dans les cuisines que vous nous apportez sur ce plateau tout le temps. Merci. Oh, bon mercredi à vous. Merci, Mia. Et voilà, en sport, on aura encore quelques minutes à grignoter. L'actualité est bien sûr parlante sur l'équipe de la Guinée équatoriale. En ce qui concerne la CAN Total Energy 2021, la liste des joueurs qui vont, n'est-ce pas, compétir ou alors qui ont été convoqués. Cette liste-là donc a été rendue publique par Kaba Diawara, le sélectionneur de cette Guinée. Et on note plus ou moins des fluctuations par rapport à la liste précédente. 27
27, contrairement à 28 qu'aura autorisé la CAF, la Guinée n'aura pas pu véritablement remplir le carreau. Quant à Tchoupo Moting, précédemment testé positif au Covid-19, il n'est pas totalement rétabli. Notre capitaine Tchoupo Moting, et pour ce fait, il pourrait être véritablement absent durant la CAN. C'est véritablement avec tristesse qu'il a annoncé, véritablement, malgré sa participation le week-end dernier à la rencontre de son équipe Bayern qui faisait face à Wolfsburg, les deux qui se sont séparés par ailleurs sur un score de 4-0. Tchoupo Moting, malheureusement, pourrait ne pas être présent et Antonio Conceição aura encore des papots à réparer. Sur le marché de transfert des joueurs, Kevin Sony, qui est par ailleurs auteur d'une bonne saison dans le championnat grec, le jeune attaquant camerounais de l'Altéras Tripoli est suivi, il faut le dire, désormais par plusieurs clubs de France et même de Belgique, ayant déjà à son actif un bilan de 5 buts, 2 passes décisives en 13 matchs du championnat. Il aura donc le cœur qui balancera entre la Belgique et la France, des clubs assez prisés qui ont déjà le regard porté sur Kevin Sony. Et puis Cannes, on en parle, cette fois-ci, menace de pandémie Covid-19, des mesures de répression qui sont bien sûr tenues, j'y arrive, le président de la Confédération africaine de football, conjointement avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, renforce bien évidemment les mesures et sont plutôt caïdes sur la passation en ce qui concerne cette Cannes. Pas question d'en ressortir avec une resurgence de Covid-19. Et puis le calendrier de cette CAN qui est restée maintenue malgré les doutes, le lieu également. Kélian Souna, c'est lui que nous avons en image, jeune attaquant du SM Kaeng. Il a été ouvert à la presse hier sur sa prochaine destination. Actuellement encore titulaire au SM Kaeng jusqu'en 2022, jusqu'en juin, voilà, 2022. Le club Maleb voudrait déjà placer sa candidature alors que le joueur a exprimé ne plus vouloir continuer à évoluer au sein du SM Kaeng. Et puis en France, Ligue 1. Parlons de Karl Toko Ekambi. Notre compatriote promet de beaux jours à son club olympique lyonnais, classé 13e du championnat. Et ce mercredi, une autre rencontre assez palpitante est attendue. Olympique lyonnais fera face au club de Metz. Et après cette rencontre, Karl Toko Ekambi pourra répondre à l'appel de sa terre patrie, voilà, il pourra rabattre au Cameroun pour entamer le stage qui débutera le 27 décembre prochain. Et un dernier ressort, Jean-Claude Bilon, malheureusement forfait face à la CAN Total Énergie 2021 jusqu'à il y a 2 jours. On ne s'y attendait pas, mais une blessure s'est imposée et jusqu'ici le doute continue de régner sur la participation de Jean-Claude Bilon, pourtant convoqué il y a plusieurs semaines maintenant. Le joueur de Clermont Foot malheureusement a une véritable fracture au niveau du genou. Parlant de pharmacie de garde, actuellement nous avons la pharmacie de l'Espérance que vous trouverez à l'ancienne mairie rurale de Bafoussam. Elle répond au 233 44 52 00, le 699 82 82 83. La pharmacie du secours, c'est au quartier Tamja que vous la retrouverez. Ses contacts sont le 233 44 13 27 et puis le 699 59 32 03. La dernière, c'est la pharmacie du marché B. Bien évidemment, au marché B de Bafoussam, vous la trouverez. Elle répond au 243 55 71 06 et puis le 699 96 85 40. Voilà pour cette autre édition de Hot Coffee. Merci à Joël Didem qui a assuré encore ce matin la réalisation de ce programme aux 1000 boutons à la partie technique. À vous, amis téléspectateurs, merci d'avoir